ici dans ce stade mythique de Saint-Mamès. C'est Hervé Matou avec bien sûr l'immense Pierre Ménès à mes côtés. Alors, ce sont 90 minutes de foot espagnol qu'on va voir avec ce match de Liga Santander, l'Athletic de Bilbao face au Real Madrid. Ouais, la magnifique passe là de Modric. James qui progresse. Le contact là. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Asensio. Sans danger pour le gardien qui accompagne ce ballon du regard. Vous découvrez les joueurs qui vont composer cette équipe de l'Athletic Bilbao. Et l'entraîneur va s'en remettre à un 5-3-2 pour ce match. C'est dire qu'il a des ambitions dans le jeu. Marco Asensio. Rodriguez. Ah non, ballon perdu. Et Marcos. Yeray. Miquel San José. Allez, il tente la petite passe aérienne. Balenciaga. Pour son partenaire au premier poteau. Et l'ouverture du score. Oh, ils n'auront pas traîné pour prendre les devants dans ce match. Et pour une fois, il a marqué de son pied le plus faible. Hein. C'est peut-être ça qui a surpris le gardien, d'ailleurs. Hein. Il s'attendait peut-être pas à ce qu'il frappe aussi bien dans cette position. Et pour l'instant, on a Titi Bilbao qui mène. Isco. Isco, voilà ce qu'il a sur le maillot. Ça va plus vite à dire que son nom complet. Hein. C'est plus pratique. Ah oui, c'est sûr que Francisco Roman Arcelo Suarez, ça ne tient pas sur le maillot. Hein. D'espace devant Balenciaga, il va pouvoir centrer. Ah, il n'y a personne pour reprendre ce bon centre. De Marcos, bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ça, c'est sûrement le tournant du match. Hein. On revoit ce but. Le corner, le ballon en pleine. Ah, ils mettent ce but. Oh, que c'est beau! La défense qui s'est fait prendre sur ce corner très bien tiré. Corner magnifique, bien tiré d'abord, puis après le buteur fait le reste. On va revoir le geste du buteur sur ce ralenti. Ah, on revoit cette merveille de corner et le buteur qui évidemment ne laisse aucune chance au gardien sur cette offrande. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Peñat, pas de souci pour le gardien. Peñat, Williams, Rafael Varane essaye de prendre ce ballon. De Marcos. Williams. Pour qui ce centre ? Oh, bonne intervention. Intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Mais ça part très loin avec ce dégagement. Peut-être une occasion pour le Real Madrid. Oh, ça va être dedans! Avec ce but, les joueurs sont peut-être en train de montrer que tout n'était pas perdu. Ah, ils peuvent encore espérer se qualifier pour les UEFA Champions League, mais enfin, il reste encore du chemin. Hein. Et 2-1, donc maintenant. L'équipe dispute un match capital, puisqu'il s'agit de la qualification pour l'UEFA Champions League. Ouais, c'est un peu une sorte de tour préliminaire qu'il dispute aujourd'hui. Marco Asensio. Rodriguez. James Rodriguez. Il y a combien qu'on appelle juste James.
et qu'il faut surtout prononcer James, hein, c'est pas James, hein, comme on l'avait cru au début d'ailleurs. On l'a pas oublié à Monaco, et puis il a explosé lors de la Coupe du Monde 2014 où il a été meilleur buteur. Au Real, c'est un petit peu plus compliqué. Il paraît qu'il aime bien les boîtes madrilènes aussi. Hein. Inigo Martinez, Unai Núñez. Il a rendu à l'adversaire. James Rodriguez, Asensio en profondeur. Bon, attention, c'est pas fini. Et le ballon qui termine finalement sa course dans les bras du gardien, qui a vraiment réussi un arrêt exceptionnel dans un premier temps. C'est une parade de grande classe qu'on a vue. Marcelo. Il poursuit son action personnelle. Ouais, Marcelo qui se défait du marquage. Bon geste défensif, ce sera donc une touche. C'est parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Il prend sa chance. Oh, la frappe très sèche, mais le gardien parvient à s'interposer. C'est un petit peu brouillon en défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon. Beignat, Inigo Martinez, c'est levier, ça sort en touche. Et Marcos. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Asensio. Oh, il était temps d'intervenir là. La passe est interceptée. Alors, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ah oui, la bonne passe. Ah oui, le tir. Ouais, il arrive le gardien sans souci. Attention, le gardien qui loupe complètement son dégagement, c'est dangereux. Excellente intervention du gardien. Et le ballon parti très loin, c'est dégagé. Marco Asensio. Isco. Marcelo. Isco. Il donne dans l'axe, attention. Et le but. Bon, bah finalement, ce sera plus compliqué que prévu. Hein. Malgré les deux buts d'écart, cette équipe n'a pas baissé les bras et voilà, égalité au score. Un but qui est bon à prendre, mais qui ne change pas grand-chose mathématiquement, voire rien du tout même. Ouais, on peut pas dire qu'ils aient fait un grand pas vers l'UEFA Champions League, mais bon, dans les têtes, ça doit faire du bien. Belle rencontre, un score de parité maintenant de 2. Attention, il peut aller au bout maintenant. Oh, c'est pas fini, attention. Oh, ça passe à côté, de justesse, dommage. Quel San José. Raúl Garcia. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ah oui, alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Modric. Luka Modric, des qualités exceptionnelles hein, chez ce milieu de terrain. C'est vraiment le milieu comme on les aime, quoi, joueur technique, polyvalent. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Marco Asensio. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Il y a la frappe. Oh là là, il est allé le chercher ce ballon. Oh, quelle détente, quel plongeon. Et pourtant, il était loin du ballon. Mais... Le gardien qui préfère boxer ce corner. Rodriguez. Isco. Luka Modric. Modric. Ouais, il y avait sûrement mieux à faire. Ah non, le ballon est perdu. Raúl Garcia. De Marcos. On ne prend pas le couloir finalement. Ok,
chercher une solution. Marcos, intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ouais, ça fait le boulot, c'est tout ce qui compte. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. La tête qui rate le cadre et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Raoul Garcia. Yat. Le ballon donné au minimum. Ouais, très bien défendu. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Voilà, la défense a repris le dessus. Le contre va donc en rester là. Touche pour l'arrière. Marcelo. James Rodriguez. Et l'arrêt du gardien. Et c'est un corner. Les grands gabarits qui vont pouvoir monter pour amener de la taille dans la surface. Modric qui va chercher. Corner repoussé par le gardien. L'attaquant est passé. Et la voilà la frappe. Oh, l'énorme plongeon. Il écarte le danger, Pierre. Ouais, il a pu faire admirer son coup d'œil, c'est vrai, mais surtout sa grosse détente. Allez, dans la surface, le corner de Modric. L'action n'ira pas plus loin. Il avance balle au pied. Allez, il faut centrer. Ah non, la mauvaise passe. Oh, il peut centrer. Raoul Garcia. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Passe de James. Et non, c'est intercepté. Allez, par-dessus, pas mal. Encore une bonne passe. Ah, la bonne qualité de ses passes. C'est une perte de balle pour le Real. Rodriguez. Oui, bien joué James, cette balle en profondeur. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Ce sera un nouveau corner. Modric qui va chercher un partenaire dans la surface. Pas très bien exécuté cette volée. Il a mal jugé la trajectoire. Forcément, ça ne pouvait pas donner grand-chose. Beignat. Voilà, 2-2. Ce sera donc le score à la pause. Tout le monde va rentrer au vestiaire. Je crois qu'on peut le dire, hein, Pierre. Voici un joueur qui apporte beaucoup à son équipe. Balenciaga. On se retrouve à Saint-Mamès pour le coup d'envoi de la seconde période. Modric est trouvé sur l'aile. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Hors jeu. Il voulait trop marquer et du coup il est parti trop tôt. Il s'est précipité. Raoul Garcia. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle.
Marco Asensio. Le Real Madrid qui s'approche du but. Bon, dégagement sans se poser de questions. Isco. Asensio. Isco. C'est pas bien joué, ça va. Oh, que c'est bien donné, ça. Le gardien qui repousse, attention. Oh, le gardien qui récupère le ballon après une première intervention exceptionnelle. Quel arrêt. Oui, ça, on peut dire que ça rassure une défense. Complètement raté cette passe. Passe lobée dans le dos de la défense. Hors-jeu, hors-jeu. Ah, dommage, il partait au but. Marco Asensio. Allez, après tout, pourquoi pas. Est-ce qu'il va centrer? C'est un centre à destination de Vinicius Junior. Non, c'est contré. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Beignat. Dommage, dommage, mal dosé la passe. Balenciaga. Yeray. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. On cherche une solution. Ouh, il était temps là. Il était temps. Beignat. Un ballon pour l'adversaire. Marco Asensio. Oh, il s'est pas laissé surprendre, le gardien. Allez, dans la surface, le corner de Modric. C'est un petit peu brouillon en départ. Oh oui, le but. Oh là là, cette équipe qui est décidément toujours efficace devant. Ah, c'est pas la meilleure attaque pour rien. Les joueurs qui marquent ce but à un moment essentiel et qui sont en train de prendre confiance. Ouais, c'est important parce que maintenant, ils le tiennent leur billet pour l'UEFA Champions League. Le Real Madrid qui prend donc les devants. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Ah, c'est bien ce qu'ils sont en train de réussir. Si le résultat en reste là, on rappelle qu'ils seraient qualifiés pour la Champions League. Oui, c'est la garantie de belles petites soirées européennes comme on les aime. Alors qu'à un moment donné... Balle d'égalisation. Et le voilà, le but de l'égalisation. Il ne fallait pas la rater cette occasion. Ouais, ouais, c'était pas la plus compliquée en effet. C'est un but qui change tout, parce que si cette équipe était virtuellement qualifiée pour l'UEFA Champions League au moment du coup d'envoi, eh bien désormais il n'est plus. Mais comme quoi une qualif, ça peut se jouer à pas grand chose. Et avec ce but, tout est à refaire. Isco. Et le gardien qui est sur ce ballon. Beignat. Adolis. Isco. C'est une perte de balle pour le Real. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Mikel Sanchosé. Asensio. Et il gagne quelques mètres. Attention à la frappe. Elle est contrée cette frappe. Et il est donc remplacé. Quel match pour lui aujourd'hui ?
il a pratiquement tout réussi, même si son équipe est pour l'instant tenue en échec. Ah, il a le temps de centrer. Et il envoie le ballon très loin. Raphaël Varane. Isco. Ouais, défenseur qui est passé. Isco qui cherche à récupérer le ballon. Il cherche des solutions là. James. Il a frappé, il a été contré. Attention à la frappe. Toujours ce score de parité donc. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Beignat. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. La passe de James, mais récupéré par l'adversaire. Wanyain. Miquel San José. Adoury. Oh, c'est bien donné en profondeur. Miquel San José. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Ah, il est bien parti, ce corner. Oh là, un petit peu ambitieuse, là, peut-être, la volée. Ouais, alors, tu vois, là, tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré. Inigo Martinez, Miquel San José. Essaye de trouver la faille. Allez, il faut le mettre celui-là. Et c'est dedans. Et le but qui donne l'avantage à l'équipe. Un premier pas vers la victoire, mais c'est pas joué encore. Attention. Le Real Madrid est mené. Et Marcos. Pour la possession. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Adoris. Yeah. Ah, il est passé, il file vers le but. Ah, le joueur qui vient buter sur Courtois. Allez, corner pour cette équipe qui va avoir l'occasion peut-être de creuser l'écart. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Cette tête ne donnera rien, ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il la reprend mal, donc du coup c'est sans danger pour le gardien. Kamovic. Rodriguez. On s'approche du but. Alors finalement, ça ne donnera rien. Non, c'est un petit peu fort, ce sera pour le gardien. Cherche la faille dans la défense adverse. Kermounien. Bon, oh, attention, il met tout le monde dans le vent. Ouais, quel but! Oh, magnifique! Avec ce but, il creuse encore un petit peu plus l'écart. Cette perte de balle, elle leur coûte cher. Ouais, après, ça va très vite. Hein. Mais le buteur signe un bel exploit individuel. Une véritable avalanche de buts dans ce match. Jour de rencontre pour d'ailleurs, mais toujours très bon buteur. À la fin du match approche, le score est de 5-3. Alors, quel est le prochain adversaire de cette équipe qui a rappelé les deux? Le but de l'espoir peut-être. Ah non, ah ça ne veut pas. Ah, c'était une belle occasion de réduire l'écart pourtant. Et attention parce que le moral peut en prendre un coup là. Bien, quel que soit le score final. Ah oui, la bonne passe.
sur le film et il est hors jeu sur cette situation. Kajovic, c'est venu en profondeur. Eden Hazard. Bon, dégagement sans se poser de questions. Touche pour Marcelo. Eden Hazard. James Rodriguez. Tentative de loin. Et frappe contrée par le défenseur. De Marcos. Adoris. Wanyain. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu. Ouais, il a dribblé, magnifique. Adoris. Oh, la faute. Attention à la décision de l'arbitre, parce que là, il a anéanti une action de but. Rouge, un carton rouge. Non, mais enfin, l'arbitre ne fait qu'appliquer le règlement. Hein. Il est à la bonne distance, là, Benat. Il pourrait bien prendre sa chance sur ce coup franc. C'était pas mal fait, mais ça passe au-dessus. Ouais, dans l'idée, c'était ça. Deux, trois réglages à affiner, c'était dedans. Un ballon pour l'adversaire. Ah, il avance balle au pied. Ouais, le ballon en retrait. Le gardien qui repousse. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Mouniaïn. Courtois, attention, il a repoussé, c'est pas fini. Il est décisif, hein, le gardien de but sur cette action, Pierre. Ouais, d'abord avec un super arrêt, et puis il a été présent jusqu'au bout. Il peut relancer maintenant. Mais l'arbitre qui signe. Elle s'est repoussée du point par le gardien. Et oui, il doit être plus malin, plus patient avant de faire son appel. Beignat. Eden Hazard. Ouais, la bonne passe d'Eden Hazard dans l'intervalle. Et l'action qui s'arrête déjà. Ounaï Núñez. Et Marcos. Ça, c'est un... Décidément, c'est un petit peu cadeau sur cadeau, tous ces ballons perdus. Lukajovic. Luka Modric. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Et voilà, c'est fini. Et quand on l'affronte,